Après 11 saisons passées au PSG, Marco Verratti pourrait faire ses valises dans les derniers jours du mercato estival. Le milieu de terrain transalpin est notamment annoncé du côté de l'Arabie Saoudite, où le club d'Al Ahly, qui a notamment recruté Neymar, lui proposerait un pont d'or. Un départ que ne regrettera pas Christophe Dugarry, qui a tenu des propos très durs à l'égard de l'ancien de Pescara, dont l'hygiène de vie est loin d'être irréprochable pour un joueur de haut niveau. Pour moi, Verratti, c'est terminé, a annoncé Duga sur les ondes de RMC ce jeudi soir. Il a 31 ans. Ça fait 11 ans qu'il est là, il n'a jamais pris conscience de ce qu'était la carrière et la vie d'un footballeur professionnel de haut niveau. C'est un choix de vie, moi j'ai fait ce choix-là aussi. J'étais un bon joueur de foot mais j'étais un branleur. Lui c'est un très très bon joueur de foot, on est tout d'accord, il a brillé par son talent et réussi à faire des choses que très peu de milieux de terrain peuvent faire. Mais ce n'est pas un sportif de haut niveau. Puis, le champion du monde 98 s'est attaqué aux dirigeants et entraîneurs successifs du petit hibou, qui ne l'ont pas suffisamment cadré. Il a réussi pendant 11 années à enfumer entraîneurs et dirigeants, les uns après les autres en se faisant prolonger tous les 2 ans. La culpabilité revient aussi à ses entraîneurs et dirigeants qui ont été aveuglés par l'immense talent de Marco Verratti. A déploré Dugarry. Il aurait fallu être derrière lui, ne pas le lâcher. On l'a laissé dans le no man's land parisien, il est arrivé de Pescara dans son petit village, il est arrivé à Paris et s'est dit, c'est magnifique. Je suis le plus beau, je suis le plus fort. Que des compliments sur Verratti et il s'est noyé dans tout ça. Les dirigeants sont les premiers fautifs et ils auraient dû le mener à la baguette pour être le très grand joueur qu'il aurait mérité d'être. Maintenant c'est trop tard, à 31 ans et il ne le comprendra jamais. Donc rideau.